Bonjour madame. Bonjour monsieur. Puis-je vous aider? Non, c'est grand et ce n'est pas lourd. Je voulais dire, je veux faire quelque chose pour vous. Oui, je voudrais expliquer ce colis. Mais il est bien trop gros. Et qu'y a-t-il dedans d'abord? Un gros bisou. Quoi? Un gros bisou. C'est comme c'est mignon, un gros bisou. Et c'est pour qui ce gros bisou? C'est pour ma grand-mère, c'est son anniversaire la semaine prochaine. Et comme je n'ai pas beaucoup d'argent, tout ce que je peux lui envoyer, c'est un gros bisou. Vous ne pouvez pas lui envoyer un bisou plus petit? Si, bien sûr. Vous savez, ma grand-mère, je l'aime beaucoup. Un petit bisou, ça ne suffirait pas. Il en faut un gros. Je comprends. Vous avez mis l'adresse sur votre colis? Comme vous voyez, je me suis appliquée. En effet, c'est très bien écrit. Félicitations. Alors, vous pouvez l'envoyer pour moi? Bon. D'habitude, on ne prend pas des colis aussi. Et puisque c'est un bisou pour votre grand-mère, on va faire une exception. Oh, vous êtes gentil. Non. Juste pour chez grand-mère, moi aussi. J'aimerais bien recevoir des bisous comme ça par la poste. Oh, ce n'est pas bien long. On n'en aura pas pour très cher. Tant mieux. Voilà, ça fait 2 euros. Tenez. Merci. Tenez, votre timbre, vous n'avez qu'à le coller sur le colis et on s'occupera du reste. Mais que faites-vous? Ben, si je veux envoyer un gros bisou à ma grand-mère, il faut bien que je sois sur place. Mais attendez, vous ne pouvez pas. Oh mon Dieu, c'est le chef du bureau. Qu'est-ce que c'est de ce truc? Ce n'est pas un truc. C'est un gros bisou. Pourquoi? Un gros bisou pour une grand-mère. Il y a vraiment des gens qui envoient n'importe quoi. C'est lourd. Attendez, je vais vous aider. Merci, c'est bien que tu sens pas ce bisou. C'est normal, c'est un gros bisou. Ah, j'ai pas trop.